Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Zone d'Astuces, nous allons vous montrer comment désactiver les mises à jour automatiques sur Windows 7. Donc, pour commencer, nous allons cliquer sur le bouton Démarrer de Windows. Et nous allons aller dans tous les programmes et cliquer sur Windows Update. Donc, après ceci, vous allez voir sur le côté gauche. Modifier les paramètres, donc on va cliquer sur ça. Ensuite, vous allez avoir une mise à jour importante et on va cliquer là-dessus et on va faire ne jamais rechercher des mises à jour. Donc, après avoir fait ceci, nous allons décocher recevoir les mises à jour recommandées qui peut installer. Au moins, je décoche tout, comme ça, j'ai plus aucune apparence de message ou de quoi que ce soit pour les mises à jour. Donc, vous allez faire OK. Voilà. Donc, il ne va plus rechercher pour les mises à jour. Il ne nous affichera plus les messages pour faire les mises à jour. Donc, après avoir fait ceci, les mises à jour ne seront plus installées automatiquement. Ils vont seulement être installés manuellement. Donc, vous allez aller dans la même section où ce qu'on a été. Donc, démarrer tous les programmes et Windows Update. Et vous allez arriver ici. Donc, vous cochez, vous allez aller dans les mises à jour importantes qui sont disponibles. Vous cochez ceux qui vous intéressent à installer. Donc, moi, j'aime mieux ça personnellement parce que, quoi, il y en a trop. Hein? Donc, vous allez faire OK et on peut tout fermer. Donc, c'est ceci qui termine mon vidéo. À la prochaine, tout le monde.